Aujourd'hui, j'étais convié à cet événement, qui est une bonne initiative, à mon sens, de la Ville de Nanterre, sur la semaine de ouf, pour aider les 3 jeunes qui ont un projet à se repartir en Australie. Je pense que l'organisation a bien été huilée aujourd'hui. Ça permet aussi de se rencontrer aussi, entre habitants de la ville, entre jeunes du même âge et de quartier, à travers cet événement-là, à travers le football, qui est un sport populaire. Donc j'encourage la ville à continuer ce genre d'événement. Ça se passe bien, il y a une bonne ambiance et c'est bien cadré. Donc y a rien à redire dessus. And all they tell me I'm a bad boy. All the time they look at me and that boy. I just like to put my hands up in the air. I want bad girl dancing over there. Look at her girl on the dance floor. Voilà, dans le cadre de la semaine de ouf, on a été amené à organiser un tournoi. Ici on est à l'Elite 5 Soccer qui vient d'ouvrir. C'est le nouveau complexe à Nanterre de foot, comme vous pouvez le voir. Et on a organisé un tournoi avec une dizaine d'équipes pour pouvoir financer un peu notre projet et récolter un peu de fonds. Avant, quand j'étais petite, c'était une passion. Maintenant, c'est un loisir. Et là, c'est que du plaisir, en fait, de jouer. Ouais, parce que jouer avec les garçons, on peut progresser, en fait. Que tout en jouant avec des filles, avec les garçons, on voit un peu plus le niveau plus haut. Et ça nous permet de progresser.